Hoy hablamos del Festival de Cine Español de Nantes. J'espère que vous avez les sous-titres. Sur place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Vous l'aurez remarqué, il y a des affiches un petit peu partout en ville. La queue devant le 14A, on entend de l'espagnol dans les rues. Pas de doute, le Festival de cinéma espagnol de Nantes a démarré. Il va durer jusqu'au 2 avril. C'est la 27e édition cette année avec à l'affiche, vous l'avez vu, Rochi de Palma. Vous pouvez voir 70 films, 50 invités, des films en compétition, bien sûr, avec notamment le prix Jules Verne qui est présidé cette année par l'auteur Lydie Salvert. On vous propose aujourd'hui une immersion dans le Festival de cinéma espagnol et on ne parlera pas de football car il y a bien un match ce soir mais ça n'a rien à voir. Nous sommes au QG du Festival de cinéma espagnol à l'Espace Cosmopolis. Les films sont projetés au 14e. Il se passe beaucoup de choses ici, des rencontres et puis les folles soirées aussi du festival se passent ici. Et je suis avec Rosan Fernandez, bonjour. Bonjour. Qui est un des directeurs du Festival de cinéma espagnol depuis 17 ans déjà. Vous participez à cette aventure. Ouais. Vous travaillez aussi à la Cinémathèque de Saint-Sébastien, au Festival du film de Saint-Sébastien. Ouais. C'est votre migration annuelle de venir à Nantes pour les 10 jours du festival. C'est un projet qui est le mien aussi, ou que je partage avec mes amis et mes collègues Pilar Martinez-Vasser et José Marquez. Et oui, bien sûr, je me sens très proche de ce festival qui m'a formé, dans lequel j'ai beaucoup appris. Mmh. Donc oui, pour moi, c'est pour moi quelque chose de très spécial, oui. Alors, le public est fidèle hein, aussi au rendez-vous chaque année. Nous, Télé Nantes est juste à côté du 14A. Alors, en passant devant chaque jour, on se rend compte de la queue qu'il y a devant devant le cinéma. 27 000 spectateurs. Ça vous impressionne, vous aussi, cette fidélité du public qui se renouvelle d'année en année? Ça fait partie du festival. Je pense que c'est très important. J'interprète ça comme ça. Je pense que le message que le spectateur nous envoie, c'est ce festival nous appartient. Ça fait partie de nos habitudes culturelles. Et tant mieux, ça doit être comme ça. Je pense qu'un festival sans spectateurs, c'est vraiment très triste. 27 000 spectateurs à Nantes, c'est vraiment quelque chose. Je pense que de ce côté-là, je pense que c'est vraiment le meilleur festival du cinéma espagnol au monde. Bon, vous n'êtes pas objectif. Non, je ne suis pas objectif, mais il y a quelques infos qui sont très objectives quand même, je dirais. Hein. 27 ans, c'est le plus ancien peut-être, et 27 000 spectateurs, c'est vraiment beaucoup. Et après, il y a le soutien de tous les réalisateurs, toutes les réalisatrices espagnoles, les producteurs, les distributeurs, etc., qui trouvent que vraiment, ce qui se passe à Nantes, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une sorte de cadeau pour le cinéma espagnol. Un public qui vous fait confiance parce que quand on feuillette le programme, quand on n'est pas forcément initié, on ne connaît pas tout, mais bien ils viennent, ils sont là nombreux. En fait, ils ont confiance dans la programmation que vous faites chaque année. Bah oui, je pense. C'est bon, il y a un côté programmation, on va dire, mais il y a un côté aussi talent de réalisateurs et de réalisatrices qui viennent, qui nous montrent leurs films. Parfois, malheureusement, des films qui n'ont pas une distribution ou qui n'ont pas réussi à trouver une distribution encore en France, puisque c'est très difficile, mais le festival peut aider à ça. Mmh. Et on a pas mal d'exemples, c'est-à-dire de films comme par exemple Escondidas de Miquel Rueda, qui a remporté un prix ici juste après, et Miquel Rueda, le réalisateur, a trouvé une distribution en France. Ça, c'est très important pour nous aussi, c'est-à-dire une porte ouverte au cinéma espagnol en France, ce qui est toujours compliqué. Oui, le festival a cette vocation aussi, que des films espagnols aient une carrière au-delà des Pyrénées. Ça a été le cas aussi avec La Isla Mínima, qui avait très bien marché ici à Nantes il y a 2 ans. Oui. En
l'ouverture du festival. Prix du public. Et qui après, du coup, est sorti en France. Et il y a un petit peu le même scénario qui se répète pour un autre film cette année. Oui, voilà. C'est une maison de distribution française, Le Pacte, qui a acheté La Isla Minima. Prix du public ici est sorti en France l'été prochain. Et ils vont essayer la même stratégie là cette année avec Que Dios nos perdone, le film de Rodrigo Sorogoyen. Donc, avant-première ici à Nantes et sorti juste après, enfin l'été prochain, dans les salles en France. Bon, on va voir comment ça se passe, mais voilà, ça montre bien que même pour une maison de distribution française, le Festival de Nantes compte et c'est très important. Ouais, il compte parce que voilà, il y a des films talentueux, de réalisateurs talentueux, de grands noms aussi qui se déplacent à Nantes. C'est le cas encore cette année. Il y a 50 invités. Je pense notamment aussi aux deux femmes qui sont à l'honneur avec toute une série d'hommages. Rosy de Palma qui est à l'affiche de cette année, et voilà. Aussi Emma Suarez, toutes les deux, elles seront à Nantes et il va y avoir un cycle de films pour leur rendre hommage. Oui, tout à fait. Bon, je pense que l'affiche de cette année, n'est-ce pas, a fait un peu l'unanimité. Oui. Hein, je pense que tout le monde est d'accord. Et Rosy de Palma, on vient de faire sa connaissance, et c'est quelqu'un d'extrêmement gentil et une actrice énorme, bien sûr. Hein. Non seulement grâce à Almodovar, hein, c'est une actrice almodovarienne, mais voilà, elle a joué avec pas mal de réalisateurs et elle était très contente, et nous aussi. Et après, il y a Emma Suarez. Ça a été un peu 2016, je dirais. Ça a été un peu l'année Emma Suarez. Une actrice qu'on connaissait très bien parce qu'elle avait travaillé avec Julio Medem, avec d'autres. Cette année, c'est vrai, elle a travaillé avec Almodovar. Elle a le rôle protagoniste de Julieta. Avec Rosy de Palma, justement. Avec Rosy de Palma, justement. Et elle a travaillé aussi avec Isaki La Cuesta dans le film La Proxima Piel. Donc voilà, elle a reçu tous les prix, tous les Goya pour ces deux rôles. Donc voilà, c'était vraiment le moment. La directrice du festival, Pilar Martinez Vasser, l'a rencontrée à Malaga, au Festival de cinéma espagnol de Malaga, là-bas. Et puis voilà, ça s'est très bien passé. Et on va avoir la chance, je pense, de la voir à Nantes. Un petit mot aussi des films en compétition, puisqu'on se trouve devant les affiches de tous les films qui sont en compétition pour le prix Jules Verne, qui est présidé cette année par Lydie Salver. Encore aussi une femme de renom qui participe à ce festival. Il y a une grande diversité dans les films qui sont proposés. Il y a à la fois des choses très grand public et puis des films plus exigeants. Oui, voilà, je pense que c'est un peu le but du festival, n'est-ce pas ? 8 films en compétition. Je pense que Nantes nous donne vraiment l'occasion de voir ce qui s'est passé dans le cinéma espagnol en 2016 et 2017, n'est-ce pas ? Des films qui n'ont pas eu encore une sortie commerciale en France, c'est-à-dire c'est des inédits. Hein, c'est quelque chose que le festival nous apporte aussi. Et puis voilà, une sélection officielle qui veut être d'un côté grand public, mais aussi parfois des films d'auteur qui sont plus exigeants, de deux côtés. C'est-à-dire, mais Nantes, le Festival de Nantes a un rapport très particulier avec le public. Donc pour nous, le public, c'est important. Et il sera encore une fois au rendez-vous. Il est au rendez-vous pour cette 27e édition. Il reste jusqu'au 2 avril pour profiter de l'ensemble de la programmation. Merci beaucoup. Tal vez hubiese, puede ser. Tal vez ainda o puidamos ver. Pero digo una cosa, non todo que ten corpo está vivo. Nous sommes toujours à Cosmopolis avec Pedro Rivero et aussi Victoria Saez qui va traduire les réponses de notre invité qui est le co-réalisateur de Psychonautas, Los Niños Olvidados, qui est à l'affiche de ce festival de cinéma espagnol que vous pourrez voir encore dimanche 2 avril à 18h15. Alors, ma première question, bonjour tout d'abord, évidemment, hola. C'est un film d'animation que vous proposez dans le cadre de ce festival, très original. Est-ce que vous pouvez nous résumer, c'est assez compliqué, mais quelle est l'intrigue de ce film ? Bueno, Psychonautas está basado en un cómic. Psychonautas est basé en fait sur une bande dessinée qui a été dessinée par le co-réalisateur Alberto Vázquez. Et c'est une histoire fantastique qui raconte l'histoire de personnages qui essaient de fuir d'une réalité qui est un petit peu difficile. C'est une île qui a subi une catastrophe industrielle et donc ils cherchent un endroit meilleur que celui qui les entoure. C'est une parabole pour d'adolescents, justement.
justement, qui cherchent toujours à fuir un petit peu la réalité qui les entoure et trouver un monde un peu meilleur. Ce sont donc des dessins animés qui reprennent un petit peu les personnages comme ça aimables qu'on a l'habitude de voir à la télé, par exemple. Mais au lieu de raconter une histoire amusante, gaie, eh bien, c'est plutôt une histoire qui est très proche de la réalité et qui est peut-être qui nous entoure et qui est peut-être pas adaptée à tous les publics. Ce film a remporté cette année le Goya du meilleur film d'animation. Alors le Goya, c'est l'équivalent de nos Césars français. Votre premier film en tant que scénariste, Goumer, avait aussi reçu un Goya en 2000. Vous avez aussi obtenu un Goya, je crois, avec un court-métrage. Vous êtes abonné aux récompenses, en fait. Peut-être qu'il va falloir que je travaille encore plus et que je fasse d'autres films pour que je puisse continuer d'être abonné au Goya. On est très content de cette reconnaissance, c'est vrai que pour le film de Psychonaut House, parce que ce n'est pas un film pour tous les publics et c'était quand même un pari un peu risqué et peut-être que ça peut animer, stimuler d'autres artistes de s'engager un petit peu dans cette voie justement, de faire des animations pas seulement commercial, destiné au pop-corn, et d'aller peut-être un petit peu plus dans cette voie-là. Al consumo de palomitas. Vous avez dit lors de la présentation du film hier soir à Nantes que le public français était le meilleur public du monde. Alors je trouvais que c'était très flatteur pour nous. Est-ce que pourquoi vous dites ça? Et surtout, est-ce que vous l'avez vérifié hier auprès de ce public nantais qui a découvert votre film? C'est vrai que le respect et l'attention qu'il y a aussi de la part du public français pour tout type de cinéma et l'animation en particulier, mais c'est enviable en Espagne, parce que ce n'est pas le cas là-bas en Espagne. Et il y a un public ici qui est vraiment préparé à lire des bandes dessinées pour adultes et à y avoir tout type de cinéma. En Espagne, il y a peut-être des sportifs peut-être mieux, meilleur qu'ici en France, mais en tout cas, ce qui est au niveau culture, ce n'est pas du tout le cas. Et donc, pour nous, c'est une vraie fierté de pouvoir sortir notre film ici. C'était un petit peu un objectif que, apparemment, on est arrivé à accomplir. Je rappelle que la prochaine projection, c'est ce dimanche 2 avril à 18h15, Psychonautas, Los Niños Olvidados. Merci beaucoup. Muchas gracias. Et merci aussi à Victoria pour la traduction.